incidents qu'on a sur le Covid. On prévient toutes les personnes qui seront venues ce jour-là. Ça me gêne pas parce qu'on habite ici et puis au moins comme ça il y a un traçage. Et s'il y a un cas de Covid-19, ben on aimerait bien savoir en fait, tout simplement. Hein. Pour les enfants, au moins qu'on sache un peu, qu'on suive un petit peu. Certains endroits en Belgique, en Allemagne, l'ont déjà mis en place. Peut-être qu'en France, il faut aussi aller jusqu'à cette traçabilité. Ça n'est pas fait pour embêter, c'est simplement pour justement leur permettre de continuer à vivre le plus normalement possible, tout en prenant des garanties et des assurances sur un meilleur traitement en cas de découverte d'un cas de malade à l'endroit où vous avez été au même moment. Maintenant, on nous demande d'être contrôleurs. Nous sommes dans une situation où les clients nous échappent petit à petit et à côté de ça, on perd de l'art de vivre. Et moi, je m'imagine mal demander un numéro de téléphone à quelqu'un qui vient prendre un café. Il faut avoir la collaboration de nos clients. Hein. C'est eux, finalement, les décideurs. Hein. Nous, on leur propose, mais si le gars ne veut pas remplir, qu'est-ce qu'on lui dit ? Monsieur, partez, quittez le lieu. On ne peut pas se permettre d'être sectaire sur certains comportements.